Hey yo tout le monde, c'est Serge Hanno et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un jeu Blizzard et c'est Diablo 3. Alors c'est l'édition de découverte parce que j'ai pas encore acheté le jeu. Il me tentait pas trop au début, puis comme je vais découvrir en même temps que vous en fait, et s'il me plaît vraiment, bah je vais l'acheter. Alors, on va créer quoi ? Les barbares. Non. Un croisé. Non plus. Un démoniste. Ou chasseur de démons. Non. Encore moins un moine. Un féticheur. C'est nul. Un sorcier. Ouais, non. Alors, une barbare. Une croisée. Chasseuse de démons. Moniale. Féticheuse et sorcière. Bon, et ben on va prendre le croisé. Ah non. Sérieux? Le seul que je veux prendre, je peux pas le prendre. Bon, ben, on va prendre le barbare alors. Ou la barbare. Ouais, on va prendre ça. On va prendre le barbare. On va l'appeler comment? Darano. Voilà. Pas avec 3 N, s'il vous plaît. Juste 2, ça suffira. Voilà. La saison 4. Ouais, ok. D'accord. Pourquoi pas? Ouais. Campagne, aventure, acte 1, normal, partie privée, chasse aux monstres. Oui, bon, on va faire comme ça. De toute façon, on peut rien faire d'autre. Ça donne que dalle. Ouais, on va faire comme ça. Allez, commencez. Campagne, le feu du ciel. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est que l'édition découverte. Donc certaines choses font que déjà dans l'édition normale je pourrais pas avoir, mais en plus il y a le Reaper of Souls que j'aimerais bien acheter. Je me lasse des combats ineptes dont je rêvais autrefois. Je marche seul, solitaire, pendant que ma tribu maudite dit les dieux qui nous ont abandonnés. Oula, excusez-moi, ça lag big. Bon, j'ai dû passer la cinématique. Désolé. Cet endroit empeste la mort. L'étoile n'est pas loin. Ok, d'accord. Pourquoi pas? On va se faire de l'XP. Alors, on a notre vie. Ça, c'est quoi? C'est l'expérience et la fureur. Bon, ça va. Ok. Je peux pas passer. Donneur de quête. Je cherche l'étoile tombée du ciel. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir.
capitaine Rumford. Il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'attaque. Jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. Hospite les cadavres avant qu'ils se relèvent. Ouais, il est où l'auberge du... Zakaoum est tombé en disgrâce. Quelle foi peut encore nous sauver? Ah, un coffre. Ah, donc ça, c'est l'inventaire. Ok, c'est là, l'auberge du veau égorgé. C'est toi? Non, villageoise. Ça, c'est les morts, villageoise, Léa. Vous êtes Léa. Rumford dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai, mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver, mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention, les blessés se transforment. Je deviens plus fort. Oula. C'est pas bon pour les affaires, ça. Ah ouais. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je vais les renvoyer dans leur tombe. Je sauverai votre ville. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. Alors, clic droit, c'est le marteau. Clic gauche, chambre de Léa. Oh. Dude. Le livre. Le livre clignote. La ville est assiégée depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres commencent à perdre espoir. Je leur dis de garder la foi, mais si personne ne vient vite nous aider... Alors, hop, on va sortir. Maintenant, on va par où? 16 miliciens sont partis. Et seul Rumford est... Oh, il y a eu du massacre. Comment puis-je aider à combattre les morts? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltine et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Vos guerriers seront vengés. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade! Plus de fureur. Le règne des mers de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Alors, je n'ai strictement rien compris à ce qui vient de se passer. Je m'appelle Descartes Kane. J'ai passé bien des années à arpenter le monde pour étudier les étranges créatures qui l'habitent. Mais le souvenir des mères de misère me hante tout particulièrement. Elles furent jadis les servantes de la reine Ascylla, et leurs cadavres ont été pervertis par une abjecte magie. Pas assez de aujourd'hui, elles se revêtent de carcasses, puis régurgitent des corps comme autant de morts fraîchement ressortis du tombeau. Ok. Pas récupérer ça, voilà. Ouais.
pour l'instant, ils sont plutôt faciles. Compétences. S'équiper d'un objet. Oula, 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 oula. Ok. Bon, j'ai tué 2 sur 3. Ok. Ah, des rats. Des rats épiques. Eh, te barre pas. Reviens, FT. Voilà. La grotte sous le puits. Mais sous le puits. Je dois trouver la fureur. Alors, je sais pas trop comment il fonctionne le système de niveau. Parce que niveau 60. Après on passe comment? On passe comme dans World of Warcraft. On attend la prochaine mise à jour pour avoir des niveaux supplémentaires. Objet magique. Arc. Pas mon équipe. Alors on va retourner sur la route. Pas assez dur. Je deviens un redoutable guerrier. Et ben moi ça c'est fait. Allez, on continue vers là. Ah, toi t'avais quelque chose. Ouais. D'accord. La mission est accomplie. C'en est fini pour les créatures. Voilà, ici. Voilà. Trois moments. Bon, j'ai pas une très bonne maîtrise encore. Hein. Cave. Je dois trouver la nécessaire à ma mesure. Je faiblis. J'ai repris des forces. Eh bien, dites-moi. Y'a plus rien. Non, y'a plus rien. Continue. La
vieille Tristram. Diablo en personne est passé par ici. Et ben voilà. J'ai terminé. Ah ok, à chaque fois qu'on termine une quête, on arrive sur le point. Merci pour votre aide. Pas mal. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Elle ne doit pas renoncer. Je vais l'aider à le trouver. Alors, pantalon. Encore un pantalon? Bon, moi je veux bien des bottes, ouais. J'avais promis à Marco de le protéger, et il est mort. Venez, c'est pas de notre faute si t'es nul. Allons chercher votre oncle. Alors, la cathédrale. Attendez, je vais ouvrir le portail. Okay, Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevée. Et votre père? Oula, y a du monde. Il a dit qu'il avait failli par les démons. On a une longue portée. Regardez, un accès caché. Suivez-moi. Votre mère avait ses secrets. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Voilà la clé, et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je m'en occupe. Restez ici, et essayez d'en apprendre davantage. Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai partie avant qu'elle n'ait tout englouti. Allez, c'est parti. Fosse commune. Ah,
pas tout récupérer quand même. La cathédrale de Nistram. L'étoile est dedans. Alors là, ça doit être un donjon. Parce que c'était marqué cathédrale niveau 1. C'est là qu'est tombée l'étoile. Ok, ça nous amène que là? Non. Il y a une suite quand même. Ah, elle est là. On va un peu détruire la porte.
putain de gigantesque, de cathédrale. Je sais même pas où je dois aller. Il est temps de mettre des talons à l'épreuve. Pas du tout ce qu'il faut. Je pense que je suis sur le bon terrain, hein. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais... D'accord. Je sais pas pourquoi j'avance. Au départ, j'étais censé descendre. C'est entré en moi. C'est... Ah, on descend par là. Arrête de se mettre tes pièces. Quoi ?
Maintenant, on descend. Immonde vermine, n'approchez pas! Arrière! Et que ça tient. Nous devons parler de cette étoile. Suivez-moi jusqu'à Tristram. J'ai honoré ma promesse envers Léa et sauvé Kane. Seul le roi squelette. Et tu bugs trop. Dont l'ombre plane à nouveau sur Tristram. Bon, je vous mettrai les cinématiques à la fin, hein, désolé. Mais là, c'est vraiment trop bugué. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là hein, pour cette petite démonstration de Diablo 3. Alors, bien sûr, c'est de la baston en continu. Y a que ça. Ouais. Augmenter la difficulté. Non, ça ira. On va rester comme ça, hein. Donc normal, c'est plus facile, c'est la plus facile. Bon, il y a même pas facile en fait. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter sérieusement, c'est toujours mieux. Et on se dit à plus. Pour de prochaines vidéos. Salut !